Alors, au Maroc, on a un adage très populaire qui dit quand tu vois deux personnes ensemble, sache que forcément, si le couple perdure, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne des deux qui supporte et qui fait 90% du boulot du couple. Moi, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je vais le dire quand même en arabe, « Ni tchouf jouj m'achrin, arf daymen terk ala wah. » J'aimerais vous dire « Stop !» Ça ne peut pas marcher sur la durée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Celui qui donne, il peut donner de son temps, de son énergie, de sa patience, de son écoute, de son amour, de son affection, de son argent. Il va arriver à un moment donné où s'il ne reçoit rien, ou si ce qu'il reçoit est tellement peu par rapport à ce qu'il donne, il va s'épuiser. C'est comme un combat de boxe, il va jeter l'éponge parce qu'il va se dire c'est fini, je suis dans ma jauge et je suis dans le rouge, je ne peux pas continuer, il y va de ma santé physique, psychique, morale, émotionnelle, affective. Par contre, celui qui reçoit, celui-là, il n'est jamais fatigué. Il peut recevoir à l'infini parce qu'il ne fournit aucun effort. L'effort vient de celui qui donne. Donc, si j'ai un message pour toi aujourd'hui, tu es en couple et tu aimerais pouvoir faire perdurer ton couple le plus longtemps possible, dans le bonheur, dans l'amour, dans l'affection, il va absolument falloir rééquilibrer la relation. Comment ? Chacun doit faire tout le temps et constamment un pas vers l'autre. Si je fais des concessions, mon partenaire doit faire des concessions. Si je prête l'écoute, mon partenaire doit me prêter l'écoute, moi aussi, quand j'en ai envie. Si je donne de l'attention, mon partenaire doit me donner de l'attention quand j'en ai envie. Si je propose du temps de qualité, mon partenaire aussi doit me proposer du temps de qualité. Et c'est ce qui explique qu'à la fin, vous vous retrouvez tous les deux, vous avez construit quelque chose qui s'appelle un couple solide. Dans les autres cas, je peux vous garantir que ça ne marchera jamais. M'écouter, c'est bien. Passer à l'action, c'est encore mieux. C'était Nahid Rached, celle qui vous permet de faire passer votre vie à un niveau supérieur. Hada houa, et Allah yahfidkoum.